Bonjour, c'est Karine. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un petit moment là que j'ai pas présenté de jeu. Donc là, je vais vous présenter ce jeu. Donc, Anatomy of a Witch Oracle. Donc, Cards from Body, Mind and Spirit de Laura Tempest Zakroff. Oui, elle a déjà fait un autre oracle aussi. Donc là, en fait, je viens juste de le recevoir. Donc je vais le regarder avec vous parce que je l'ai pas encore regardé. Donc bah, c'est un oracle qui est en anglais par contre. J'avais déjà repéré, puis j'attendais, puis là je l'ai trouvé sur un site de vente d'occasion. Donc il est, je pense qu'il est quasi neuf. Donc il arrive avec un petit guide en anglais, mais un guide en couleur. Donc vous avez la carte. Donc a priori il y a des groupes de cartes, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et puis après, donc la description de la carte. Considère les mots-clés. Donc voilà pour ce petit guide. Il y a des tirages. Donc voilà. Donc on va regarder les cartes ensemble. Alors, ben la boîte, elle est violette et puis un fond coloré. Hop. Donc les cartes sont de très bonne qualité, donc le dos est comme ça, plutôt sobre et joli. Donc super qualité, taille carte oracle classique. Et donc voilà ce qu'on peut trouver. Donc là c'est vraiment des dessins, donc sur fond un peu beige marron clair, donc un peu aspect papier vieilli. Il n'y a pas de tranche, il n'y a pas de bordure, donc ça c'est bien. Il y a juste le nom de la carte. Donc là par exemple, les bouteilles de sorcière. J'aime beaucoup la façon de dessiner. Donc faudra, c'est peut-être marqué sur le petit guide. La façon qui a été employée. Là, j'ai exactement le même encensoir. Donc, le serpent. La mémoire, la lune. Nourish, jolie celle-ci. Perception aussi. Les mains. La pleine lune. Le feu. L'œil. L'équinoxe. Le rêve. Et jolie celle-ci. Commune, celle-ci aussi, en fait, c'est joli, c'est, je sais pas, ici, moi, je voyais presque hein, une tête avec des bras. Ouais. Cette façon de faire, je sais pas si c'est marqué. Non, derrière c'est pas marqué, peut-être que dedans c'est marqué la façon qu'elle a utilisée. Bon, faudra que je regarde mieux parce que c'est vraiment très très joli.
C'est tout. Je sais pas, il y a peut-être un peu d'aquarelle, de l'encre, je sais pas. Je trouve ça très fin aussi comme dessin. Je sais pas si c'est trop clair. Mais c'est vraiment joli. Celle-ci, magnifique avec l'œuf. Solstice. L'eau. C'est les os. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Le cœur. Braid, c'est une tresse. Non, je sais pas. Ça. Nettoyage, alignement. Ça fait Baba Yaga Festival. J'aime bien celle-ci. L'expérience avec les deux mains et la terre, magnifique. Bon, mais je regrette pas de m'être acheté cet oracle, même si peut-être que dans 3-4 mois il sortira en français. Mais bon, comme d'habitude, je ne peux pas attendre. Donc voilà, je vous ai présenté rapidement donc cet oracle-là. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.